Merci Jean-Louis. Alors bonjour à tous, donc je vais me présenter, je suis Joëlle Pochelu, je suis conseillère en formation pour le GIP FCIP de l'Académie de Versailles qui est devenu le GIP Compétences et aujourd'hui donc nous allons donc organiser et nous allons faire et effectuer le séminaire de restitution du projet La Femme Map qui est la fabrique à mailler des parcours, qui est un projet qui a été financé par la Commission européenne sur le programme EASY, qui dépend de la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'insertion. Alors, d'ores et déjà, je vais vous présenter donc le programme de ce séminaire. Voilà, merci Jean-Louis. Donc, ce séminaire de restitution se déroule en deux temps. Il y a eu un premier temps entre le 10 et le 17 novembre, où ont été mises en ligne 5 vidéos qui seront à nouveau accessibles après, donc dès cet après-midi ou ce soir sur le site de la Femme Map, dont on précise ici l'adresse, hein, donc c'est femmemap.ac-versailles.fr. Alors je voulais aussi vous dire qu'il y aura un chat donc tout le long de cette matinée qui vous permettra d'intervenir et de nous faire part de vos questionnements ou de vos réflexions. Concernant donc les 5 vidéos qui ont été mises en ligne, donc il s'agit des vidéos qui permettent de restituer à la fois les productions et les réflexions issues de ce projet qui a duré 2 années. Donc il s'agit de vidéos qui portent sur la production d'ingénierie innovante issue des différentes expérimentations qu'il y a eu sur les différents territoires et dispositifs. Il y a aussi une vidéo dédiée à la professionnalisation des acteurs et vous verrez en quoi c'est essentiel de parler de cet aspect. Il y a aussi une vidéo qui est consacrée aux dispositifs différents et compétents et enfin une vidéo qui restitue une construction d'un maillage de parcours dans la région des Hauts-de-France. Alors, ce matin, nous allons rester donc ensemble de 9h à 13h. Donc il y aura un certain nombre d'interactions. Cette matinée va se dérouler en plusieurs temps. Donc tout d'abord nous allons présenter le projet, ensuite il y aura 2 tables rondes ponctuées par l'intervention de Madame Sophie Doskarova de la Commission européenne. La première table ronde restituera ou parlera en tous les cas de l'impact de la démarche et de la professionnalisation nécessaire des parties prenantes. La deuxième table ronde réunira les institutionnels qui sont aussi financeurs des dispositifs de formation et qui s'exprimeront sur l'intérêt de la Femme Map et des suites peut-être pertinentes à envisager. Il y aura enfin la présentation de la plateforme Diagoriente et nous clôturons cette matinée par les perspectives, donc les suites de ce projet et en particulier celles qui sont offertes par le programme de l'AEFA. Donc l'agenda européen de la formation des adultes. Voilà, donc je vais donner tout de suite la parole à Monsieur Gérard Puigelemont, directeur du GIP FCIP de l'Académie de Versailles, GIP Compétences. Bonjour à tous. Donc Gérard Puigelemont, délégué académique à la formation continue et directeur du GIP de l'Académie de Versailles. Donc un premier point. Je pense qu'il est important de le souligner. Ces projets hein, que l'on a entrepris depuis quelques temps, nous allons y revenir, font que on a revu, si l'on peut dire, compte tenu de ce que l'on a développé comme expertise, le visuel du GIP. Donc, je reprécise parce que c'est important. La raison sociale de ce GIP et juridique est toujours GIP FCIP-compétences, avec un logo, bien évidemment, maintenant, qui met en avant les compétences, et notamment les compétences que nous avons acquises au travers de ce projet, et qui est un identificateur, je pense, relativement important de notre savoir-faire. Voilà, ça c'était un point
qui me paraissait important et qui devait être souligné. Autre point, comme tout le monde, hein, nous faisions, et depuis quelques années, mais également en formation initiale, le constat que nous avions beaucoup de dispositifs qui se juxtaposent en général, avec peut-être un sens qui n'est pas toujours évident pour les apprenants. D'où cette idée, cette ambition, je dirais, de travailler sur un parcours et des parcours beaucoup plus fins et de les mailler pour pouvoir aller avec, comment dire, une plus grande ouverture vers les certifications. Et ça, c'était un objectif et je crois que c'est important. Ce n'était pas évident parce que, me semble-t-il, le paradigme de l'apprentissage est à ce moment-là tout à fait différent, d'une part pour les apprenants, mais également pour les formateurs. Et là, je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont associées à ce projet, et notamment l'équipe du GIP, parce qu'il a fallu entraîner dans ce changement les formateurs. Et chaque fois qu'il y a des évolutions, comme vous le savez, on risque de rencontrer quelques résistances. Voilà, tout le monde connaît bien les fameuses résistances au changement. Ceci a quand même été élevé progressivement et on a maintenant un outil, me semble-t-il, dont on va découvrir un petit peu plus les expérimentations qui méritent d'avoir une vie maintenant pédagogique beaucoup plus importante et qu'il conviendra de disséminer dans l'intérêt de l'insertion des jeunes, mais également des moins jeunes. Donc voilà, je souhaitais quand même insister sur ces aspects-là, parce que c'est vraiment, au niveau pédagogique, quelque chose de fabuleux, je vais dire, hein, qui s'est mis en place et qui a, depuis 5 ans maintenant, créé des synergies et je m'autorise à faire le lien avec les projets que nous avons démarrés, notamment RegTech et RegTech Plus, puisque bien évidemment la fabrique des maillons à parcours s'appuie sur ces expériences-là, sur ces projets-là, et notamment sur les cartes de compétences graduées qui a pu être mise en place grâce à cette succession de projets et à l'ensemble des partenaires en France, mais également des partenaires européens qui nous ont suivis dans le cadre de ces expérimentations. Je vais laisser la place, bien évidemment, la parole à Mariella, mais avant, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui vous est présentée, je tiens particulièrement à remercier l'ensemble des partenaires. Et là, pour moi, c'est... Je leur rends en fait un petit peu ce qu'ils nous ont également apporté en les citant les uns après les autres, et notamment Centre Info qui nous accompagne. Tout à l'heure, Vincent animera bien évidemment la table ronde, les articles qui ont été publiés, le cahier également, et donc tout l'intérêt que Centre Info a porté à notre dispositif. Et je les en remercie. GIPF, CIP de l'Académie de Nantes, chers collègues, chers amis, bon, que je connais particulièrement et dont je sais le travail qu'ils ont accompli. Le Greta GTM 93, qui s'est associé à nous. Il y a eu une petite histoire de vie avec ce Greta à un moment donné, mais on remercie pour l'engagement de celui-ci. Greta Lorraine Centre, que je connais un petit peu moins, semble-t-il, mais qui a aussi œuvré, Insup Formation et Aformat également pour leur participation. Bien évidemment, notre maison mère, l'Éducation nationale, qui nous a soutenus dès le démarrage, et notamment dès les premiers projets et dès RegTech
les collègues de l'éducation nationale étaient là, étaient présents. Ministère de l'Intérieur également, de par l'expérimentation qu'ils ont pu réaliser, là aussi dans le cadre de RailTech, et qui était riche pour nous en, en connaissances. La région Île-de-France, je salue au, au passage Madame Potier. Les Hauts-de-France, qui également déploie maintenant ce, ce dispositif et participe à ces expérimentations. Centre Val de Loire, qui a inscrit, bien évidemment, dans son appel d'offres, le projet RailTech. C'est quand même quelque chose d'important et cela crédibilise tous les projets et toutes les actions que nous avons pu conduire. Également, la Nouvelle-Aquitaine, Nantes Métropole et différents et compétents. Alors, différents et compétents, c'est une histoire. C'est depuis plusieurs années, nous travaillons avec eux. Et ils sont présents, donc je les remercie également. L'EMFOR, Bourgogne-Franche-Comté, avec leur Carifor-REF, et puis des partenaires associés via les expérimentations nantaises, Accor-Babel et CFP Presqu'île. Voilà, je tenais à faire vraiment ces remerciements pour tout cet engagement, puisque certains partenaires sont quand même là depuis le démarrage, depuis RailTech. Donc depuis 5 ans que nous travaillons ensemble. Merci à tous et donc maintenant, je redonne la parole à Joël Couchu. Alors, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Alors, je vais donner quelques éléments sur le projet La Femme Map, en particulier pour les participants qui nous découvrent. La Femme Map, c'est un projet qui est dans la suite de RailTech. RailTech étant un projet qui a été financé par Erasmus+. RailTech, c'est le référentiel de compétences transversales en lien avec l'employabilité et les certifications. La Femme Map est dans la continuité de RailTech et je dirais que c'est l'un des usages de RailTech. Alors, RailTech était lui-même, s'inscrit lui-même dans une continuité, puisque RailTech est issu du projet Les compétences transversales en situation professionnelle, les nommer, les objectiver, les graduer. Et c'était un projet qui était financé par l'AEFA, l'agenda européen de la formation des adultes. Alors, la production majeure de RailTech, ça a été un référentiel de 12 compétences graduées, organisées autour de 3 pôles, hein, communicationnel, organisationnel et réflexif, et gradué en correspondance avec les 4 premiers niveaux du cadre européen de certification. Alors, ces compétences transversales sont des compétences attendues par le monde du travail. C'est une des particularités. Et la deuxième particularité, c'est vraiment enfin, la spécificité, c'est cette graduation autour des 4 premiers niveaux du cadre européen de certification. Alors, dans cette slide là que vous voyez, ce que je voulais rappeler, c'est quelques éléments de l'ancrage institutionnel de la Femme Map. Alors, la Femme Map, je l'ai déjà dit, mais voilà, je le répète, c'est un projet qui est financé directement par la Commission européenne, par la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion, qui chaque année produisent un appel à projets. Et donc, sélectionne 6 projets par an parmi les 27 pays États membres. Et la particularité de ce programme, c'est en fait que ce qui est visé, c'est l'amélioration de dispositifs existants sur un périmètre national. Donc voilà, la France avait été sélectionnée en 2019 pour un projet EASY. Alors, ce qui était écrit dans le cahier des charges, c'est différentes choses. C'est d'abord que les systèmes en place ne sont généralement pas adaptés aux besoins spécifiques des adultes ayant un faible niveau de compétence, que par ailleurs, il convient d'offrir aux adultes ayant un faible niveau la possibilité d'accéder à des parcours de renforcement de compétences qui permettent d'acquérir un niveau minimal concernant, on va dire, les compétences clés, mais aussi qui permettent d'acquérir des compétences pertinentes pour le marché du travail en progressant vers une qualification de niveau 3 ou 4 du CEC. Et c'est là qu'il y a une rencontre entre les deux projets, entre RailTech et la Femme Map. Et puis, ce qui était précisé aussi dans ce cahier des charges,
c'est que c'était les pistes d'amélioration attendues par la Commission européenne. Donc, trois pistes. Hein, donc, l'importance d'évaluer les compétences des bénéficiaires rentrants sur les parcours de renforcement de compétences de base, et ensuite de leur fournir une offre de formation adaptée à leurs besoins, et enfin de valider les compétences acquises au cours des parcours. Voilà. Donc, la finalité de la FAMMAP, c'est quoi ? C'est de produire, d'élaborer, de mettre en œuvre des ingénieries que nous avons appelées maillons de parcours, qui sont articulées, qui sont adaptées et qui facilitent l'accès à des certifications professionnelles ou des emplois de niveau 3 ou 4. Alors, ces ingénieries sont adossées à une ingénierie d'évaluation qui intègre l'approche AEFA RecTech, qui ont la particularité d'inclure et de distribuer les compétences dites de base, socle ou clé. Et donc, en utilisant RecTech ou l'AEFA et en utilisant l'ensemble des compétences transversales, on rompt avec une approche qui ne se limiterait qu'à évaluer certains champs disciplinaires, j'ai envie de dire, français ou maths, et qui par ailleurs, c'est une approche qui rompt avec aussi des typologies de public, hein, qui catégorisent les publics selon la maîtrise de la langue. Voilà, donc je vais maintenant céder la parole à Mariella. Merci beaucoup Joël. Donc je voudrais revenir sur deux points évoqués par Joël Pochenu. Donc, je suis Mariella Ferrari, didacticienne des langues, et je porte la démarche compétences transversales graduée depuis 2006-2007. J'ai initié ces travaux en collaboration avec Florence Bourmont-Dalis, aujourd'hui à l'Université Paris-Descartes, faisant le constat à l'époque que les compétences en français n'étaient pas considérées comme des compétences professionnelles, mais comme des compétences personnelles, sociales, etc. Nous avons gradué et élaboré ce que nous avons appelé à l'époque le français compétences professionnelles, qui ne peut pas se travailler en soi, mais toujours en lien avec des activités au service desquelles se mobilisent les compétences langagières. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Commission européenne, dans les trois recommandations que vient d'évoquer Joël, évaluer, rendre de la cohérence entre formation et évaluation et reconnaître les compétences acquises, peut laisser entendre que quand on dit reconnaître les compétences acquises, ce sont les compétences de base qui doivent être reconnues, puisque c'est elles qui sont renforcées. Or, dans notre approche compétences graduées, les compétences acquises en termes de compétences de base, à savoir oral, écrit, mathématiques et numériques, pour faire court, sont reliées à des certifications professionnelles et pas à des certifications que l'on pourrait appeler généralistes ou spécifiques comme étant les compétences de langue ou les compétences de base. Donc il n'y a pas de certification RecTech et il n'y en aura pas. C'est-à-dire que le référentiel que Joël Pochenu vient d'évoquer sert de matrice conceptuelle et reliante, c'est-à-dire on crée des passerelles systématiques avec les certifications professionnelles, en particulier celles de niveau 3, hein, pour le cadre européen des certifications. En France, les CAP ou les titres du ministère du Travail, voire des certifications de qualification professionnelle, qui correspondent à des éléments de ce qu'on appelle le premier niveau de qualification. Voilà, donc cette approche implique que les compétences transversales ne se travaillent pas à part. Donc il y a grosso modo aujourd'hui il y a pléthore de définitions de compétences et de répertoires de compétences dites transversales. Donc nous, on s'inscrit dans une définition qui a été donnée en France par le Centre d'analyse stratégique déjà en 2006, où les compétences transversales ont des composantes. Elles traversent les secteurs professionnels, elles traversent toutes les situations professionnelles, et elles ont des composantes qui chargent de contenu ces compétences transversales, toujours en lien avec le volet technique, le volet relationnel, le volet actionnel de la situation réelle de travail ou de recherche d'emploi, parce que on voit bien que dans les populations en mutation professionnelle,
On est tout le temps en train de muter, de s'adapter, de saisir les opportunités dont les compétences transversales, ça a été montré par une étude déjà en 2006, la grande valeur, c'est de faciliter les mobilités professionnelles. Donc, dans notre approche, les compétences transférables, les compétences transversales, on va mesurer dans l'approche dite RegTech quels sont les écarts en termes de savoir ou de contenu pour passer, par exemple, d'un milieu. J'étais agent d'accueil dans un centre social dans une ville donnée. Je vais devenir agent d'accueil dans une préfecture, puisque je travaille dans la fonction publique. Quels sont les contenus, quels sont les savoirs, quelles sont les informations, quels sont les protocoles qui vont charger de contenu mes compétences, quels sont ceux que je possède déjà, que je connais, et quels sont ceux auxquels je devrais avoir accès. Ça, c'est pour l'approche transversale qui irrigue notre logique d'ingénierie de formation et d'évaluation. La diapo qui s'affiche là vous présente notre vision de ce que sont les logiques de parcours qui construisent aujourd'hui les dispositifs de formation, d'insertion, qui incluent systématiquement, en tout cas pour la première et la deuxième colonne, des formations de renforcement des compétences de base. En France, parce que je sais que je salue aussi les partenaires belges et luxembourgeois qui se sont inscrits à ce colloque. Je salue le FOREM, le consortium de validation des compétences, et pour le Luxembourg, Formotion, qui continue de travailler avec l'approche, même si le projet RegTech s'est terminé. Donc, les dispositifs d'insertion et intégration financés par les préfectures, les départements, éventuellement l'Office français de l'intégration, fonctionnent avec leur propre logique. Donc, vous avez des référentiels de langue qui vont marquer des niveaux, niveau A1, A2, etc. Et on a du mal parfois à expliciter les compétences de ces niveaux qui sont nécessaires à l'obtention d'une certification professionnelle. Vous avez également des dispositifs régionaux qui s'appellent, par exemple, objectifs compétences de base professionnelles, compétences clés, etc. Donc là, vous avez plusieurs régions françaises qui financent ce type de dispositif. Et là aussi, les liens avec les qualifications professionnelles sont assez ténus. Vous avez des dispositifs de professionnalisation qui sont des salariés dans ce qu'on appelle les contrats aidés, l'insertion par l'activité économique, où là aussi vous allez trouver de la remise à niveau. On peut financer 111 heures de remise à niveau. Et bien, cette remise à niveau, elle n'est pas forcément corrélée et mise en correspondance avec les postes et avec les certifications professionnelles. Certains le font, d'autres ne le font pas. Donc, ce n'est pas installé dans le système. Vous avez plein de dispositifs aujourd'hui qui sont financés dans le cadre de la professionnalisation, dans la politique de la ville, c'est zéro chômeur, des actions français langue étrangère au sein des préparations opérationnelles à l'emploi, etc. Et donc, on voit bien que quand on dit FLE, on ne va y voir que les publics migrants. Et cette question-là, je raisonne en public qui ne se rencontre pas, de notre point de vue, ça pose des questions. Ça pose des questions. À un moment donné, quels sont les critères objectifs en termes de compétences graduées qui permettent à des publics X, Y, Z de travailler ensemble au service de la qualification professionnelle. Et enfin, vous avez les dispositifs de qualification et de préqualification qui, eux, sont carrément adossés au référentiel de certification des titres. Donc, nous, dans notre approche, si je peux passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Dans notre approche, on travaille dans ce qu'on appelle une rétro-ingénierie, c'est-à-dire on ne va pas s'interroger, on ne va pas d'abord valider son projet, d'abord acquérir le niveau de langue, d'abord acquérir le socle de base ou les compétences de base, etc. On va s'interroger sur la finalité d'un maillon de parcours, c'est-à-dire qu'un maillon de parcours, c'est un bout de parcours où il y a de la formation ou de l'accompagnement qui développe des compétences au service soit d'un projet professionnel par famille de métier, soit d'une préqualification parce qu'on va travailler l'accès réussi et l'obtention d'une certification professionnelle, ou bien on peut aussi avoir des maillons de parcours que nous appelons intra-qualifiants au sein même de la préparation à un titre ou à un diplôme. C'est la chose la plus difficile à faire bouger parce qu'on voit bien que dans les dispositifs, on va proposer de la remise à niveau d'une part
ou du CLEA d'une part et de la certification ailleurs. On va donner des badges sur les compétences transversales d'une part, mais pas intégrés forcément au titre ou au diplôme qui est délivré, etc. Donc, dans notre vision imbriquée, la chose la plus difficile à faire, et pour ceux qui auront vu les stands qui étaient disponibles en visio du 10 au 17 novembre, les professionnels se sont exprimés et les professionnels qui ont fait bouger le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons trois types de maillons, on va dire, à l'intérieur de tous les dispositifs que je viens d'évoquer précédemment. On peut valider son projet famille de métier et en même temps passer à la qualification. On n'est pas obligé de passer par toutes les cases. Et les dispositifs actuels, en particulier les dispositifs compétences clés, développent d'abord les compétences clés et éventuellement une certification qui s'appelle en France CLEA. Et ensuite, on va valider le projet pour aller… Donc, du moment où on imbrique, on intègre, on distribue les compétences de base et on travaille CLEA au service peut-être déjà de cette qualification, on voit bien que la question des sorties permanentes qui est souvent évoquée par les organismes de formation, c'est-à-dire que les gens sortent ou abandonnent, se pose vraiment beaucoup moins. Donc, nous avons aujourd'hui des éléments de preuve qu'avec cette démarche de maillon, un maillon… Nous, on le façonne entre 80 et 150 heures. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dispositifs qui vont jusqu'à 800 heures, 1000 heures. Et plutôt que d'avoir une ingénierie longue où on ne voit pas comment, à l'intérieur même d'un dispositif, il peut y avoir des maillons avec des personnes qui ne travaillent pas ou qui travaillent ensemble ou qui suivent l'évolution de leurs compétences lorsqu'ils vont dans un stage, lorsqu'ils vont suivre une immersion professionnelle, ça s'accélère, et bien peut-être. Cette façon-là de travailler, même si chaque stagiaire fait moins d'heures, ça assure aux organismes une pérennité parce qu'il y a moins d'abandon. Ça, c'est un constat qui s'est produit non seulement dans la FABMAP, mais dans toutes les expérimentations que j'avais menées pour l'Agence Agenda Européen de la formation des adultes entre 2015 et 2017. C'est-à-dire qu'on a des éléments de preuve que le fait d'entrer par des maillons courts qui se maillent, c'est-à-dire qui s'articulent par les graduations, le schéma que vous avez sous les yeux tente de montrer, j'espère que c'est clair parce que je ne sais pas si vous arrivez à lire, les flèches qui entourent ces maillons, les compétences transversales graduées, c'est la graduation de toutes ces compétences, hein. Il y a trois pôles, organisationnel, réflexif et communicationnel. Ces graduations-là vont se charger d'indicateurs de performance, des activités et des situations, à la fois des référentiels de certification et des postes occupés lorsque quelqu'un fait un plateau technique, un stage, une immersion professionnelle. Et donc, de la mise en articulation de ces indicateurs avec le référentiel, c'est là où le référentiel transversal se charge des contenus par rapport aux postes de travail visés et aux certifications visées par les métiers concernés. Donc, il y a un travail dans l'ingénierie de formation de ces maillons, d'abord de précision de la référentialisation. Ça, je tiens à le dire parce que la démarche, elle est complexe, mais une fois qu'on l'a intégré, eh bien, ça suppose une dynamique non seulement nouvelle auprès des stagiaires, mais également intra-équipe dans les organismes de formation. Est-ce que je peux passer à la diapo suivante? Il nous reste 6 minutes. Je vais essayer de respecter le timing. Merci beaucoup. Donc là, vous avez une synthèse des maillons qui ont été des exemples formalisés, parce que tout ce qui a été formalisé n'apparaît pas sur les vidéos. Hein. Il y a d'autres types de formalisation. On n'a pas pu tout rendre visible. Donc, dans les Hauts-de-France, qui a embarqué en deuxième année de projet, c'est le dispositif dynamique vers l'emploi et leur dispositif lire et écrire pour agir qui ont été réingénierisé, on va dire, avec la démarche. En Ile-de-France, c'est le dispositif compétences de base professionnelle avec trois organismes, dont le Greta 93, Nuevo, JDEF, qui ont dû être stoppés et ralentis par la pandémie. En Pays de Loire, c'est le dispositif Rebond et Prépa Avenir qui a été mis en exergue. Là aussi, on a eu des problèmes avec la pandémie, mais des choses ont été formalisées. Concernant la préqualification et l'accès à l'emploi, Nantes Métropole a financé un maillon expérimental réussi qu'elle refinance, si j'ai bien compris, autour de l'aide à domicile, hein, pour l'accès
directement des personnes en politique de la ville, directes à la qualification. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait un maillon de préqualification maillé avec le référentiel du CAP de la petite enfance. Et dans les Hauts-de-France, nous avons découvert quelqu'un qui a été formé à la démarche Comtech, qui a mobilisé le dispositif Pass'Emploi directement avec un travail de rétro-ingénierie à partir des besoins des entreprises et des certifications adossées au poste visé. Et ce n'est pas de l'adéquationnisme, il y a une double détente. Je prépare au poste de métier en tension, mais en double détente, je prépare également certification des postes par des certifications professionnelles qui pourraient être visées pendant ou après la mise au travail. Et enfin, dans le Grand Est, il y a des accès à plusieurs CAP, c'est l'expérimentation peut-être la plus à développer à l'avenir. Comment valoriser les CAP et revoir la manière de travailler les enseignements généraux avec le lien avec les compétences transversales. Ce que je disais tout à l'heure sur l'intra-qualification, c'est l'INSUP, grâce à un dispositif très novateur de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a permis de donner aux organismes la liberté de revoir la manière de travailler 22 ou 25 jours de remise à niveau traditionnel. Voilà. Enfin, vous avez d'autres types de diapos suivantes sur des ingénieries d'évaluation, parce qu'on s'est aperçu que les organismes, nous on avait prévu que des maillons de formation, hein, 80 à 200 heures, mais les organismes ont considéré que quand il y a 4 jours, par exemple, de préparation à la mobilité européenne pour les demandeurs d'emploi, ils travaillent en amont, ils travaillent en aval de cette mobilité, et bien on a construit des petits maillons, que nous on a appelé ingénierie d'évaluation, pour reconnaître, préparer et reconnaître, identifier et objectiver les compétences de la mobilité européenne pour les demandeurs d'emploi. Nous avons également créer un petit maillon d'une ingénierie d'évaluation de 7 heures au sein de la formation civique de l'Office français pour l'intégration et l'immigration, au sein du contrat d'intégration républicaine. Et enfin, nous avons fait une déclinaison de la carte transversale RegTech pour l'Agence nationale du service civique avec des expérimentations disponibles sur la plateforme Diaboriant. Ce dispositif se poursuit avec une utilisation par les tuteurs pour la construction, comment on embarque du volontariat à la compétence transversale directe pour son parcours d'avenir. Je finis avec ma dernière diapositive sur les transformations profondes induites par cette démarche, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont impactées. Un, c'est l'ingénierie des dispositifs et les référentialisations, ce qui fait que les ingénieries des parcours supposent des articulations entre les dispositifs, suppose peut-être des accords novateurs interinstitutionnels par l'entrée de compétences et les graduations. Et ces référentialisations, si elles ne sont pas soutenues par l'articulation interdispositif, eh bien c'est très difficile pour un organisme de formation de contrer effectivement les logiques des ingénieries proposées par les cahiers des charges des dispositifs actuels. Il y a pour moi quelque chose de très systémique dans les manières d'articuler des mondes qui aujourd'hui ne s'articulent pas, c'est-à-dire les formations à visée d'insertion, d'intégration, de préqualification et de qualification. Et côté équipe d'intervenants, il y a plusieurs éléments qui sont profondément impactés. C'est la concertation réelle entre ceux qui répondent au cahier des charges, qui parfois ce sont des ingénieurs très innovants, et ceux qui vont mettre en place ces cahiers des charges, qui parfois, eux, maintiennent encore les pratiques de leur spécialité, parce qu'ils se sont spécialisés dans la remise à niveau, ils se sont spécialisés dans les compétences de base, ils sont spécialistes de la langue. Eh bien, ce travail intra-organisme entre ingénieurs qui répondent aux cahiers des charges, responsables pédagogiques et formateurs, me semble un élément fondamental des transformations. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est les ingénieries d'évaluation qui impliquent des traces, c'est-à-dire que les équipes travaillent ensemble et préparent ensemble. Parce que du moment où les référentialisations sont communes, les préparations à la formation bougent très, très, très sérieusement. Et le travail interprofessionnel entre les spécialistes métiers et les spécialistes aux compétences clés, c'est l'une des clés de voûte de la véritable transformation des ingénieries de formation. Voilà, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Catherine Blanc-Pierre qui va être l'animatrice de la table ronde opérationnelle qui suit
Et je remercie non seulement l'équipe et les partenaires, mais également les partenaires européens du projet RegTech et l'agence Erasmus France. Merci. Merci pour le temps. Bonjour. Bonjour, je suis Catherine Lance-Pierre et je travaille dans le domaine de l'expertise, de l'évaluation notamment donc des compétences transversales et de la démarche qualité. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée dès le départ en fait au projet RegTech puis FAMAP. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde ce matin. Alors cette première table ronde qui est dite opérationnelle a une thématique générale qui traite en fait des enjeux et des problématiques qui vont être relatifs à l'évaluation et au renforcement des compétences de base sur le terrain en fait. C'est une table ronde opérationnelle. Elle réunit cette table ronde des opérateurs de formation ainsi que des référents territoriaux pour la professionnalisation des acteurs, 8 intervenants au total, qui ont rejoint la FAMAP à des moments différents. Donc certains sont là depuis le tout début, d'autres sont arrivés donc au milieu et puis d'autres encore très récemment, ce qui confère donc à ce groupe des regards différents et complémentaires sur la FAMAP. Alors, dans cette table ronde, nous aurons 3 grandes séquences qui vont se succéder. La première séquence traitera du nouvel éclairage apporté par FAMAP RegTech, toujours sur le terrain. La deuxième traitera de la problématique de la formation, information des différents partenaires, toujours de manière très concrète, avec des exemples. Et enfin, donc la troisième et dernière séquence fera le point sur la formation des équipes et la professionnalisation des acteurs avec des illustrations toujours très concrètes. Alors, pour chacune de ces 3 séquences, le public qui nous écoute, comme ça a déjà été précisé, a la possibilité de réagir, de poser des questions via le chat. Et nous avons donc la chance d'avoir un modérateur qui, au fur et à mesure, va recueillir donc ces différentes questions, les synthétiser et nous les transmettre de façon à ce que donc les différents intervenants puissent répondre à ces questions à la fin des 3 séquences. Sans plus tarder, donc je vais passer la parole maintenant au premier groupe. Par ordre d'apparition à l'écran, c'est-à-dire Joël Pochelu, Magdeleine Grison et Anne Laramindi, que je salue, et qui vont se présenter donc chacune à leur tour très rapidement avant de prendre la parole. Donc Joël, puisque c'est vous qui commencez, je vous laisse la parole maintenant. Merci Catherine. Alors je me suis déjà présentée, mais je vais me représenter. Voilà, donc je suis Joël Pochelu, conseillère en formation continue, psychologue du travail de formation. Et en charge de la coordination du projet La FAMAP avec Mariella De Ferrari. Alors, je vais tout de suite démarrer sur les effets sur les changements qui sont induits par l'approche de la FAMAP, qui sont en lien au moins avec 2 paramètres. Alors, comme vous l'aurez sans doute compris à ce stade de la matinée, donc l'approche La FAMAP concerne les compétences transversales. La caractéristique des compétences transversales, c'est précisément de traverser toutes les situations professionnelles ou extra-professionnelles. Alors, du coup, s'intéresser aux compétences professionnelles permet d'aller chercher des compétences qui ont été nécessairement développées par les personnes au cours de leur parcours, et ce, à quelque niveau que ce soit. Le deuxième paramètre semble en lien avec un aspect méthodologique, c'est-à-dire que la carte de compétences telle qu'elle est conçue est très vite comprise par les bénéficiaires qui saisissent très rapidement la signification des dénominations des axes qu'ils mettent en lien avec des activités qu'ils ont exercées. Et du coup, ceci a un effet immédiat sur le regard que les bénéficiaires portent sur eux-mêmes parce qu'ils conscientisent, ils réalisent leurs compétences. Par ricochet, ça a aussi un effet sur le regard que les professionnels portent sur les bénéficiaires et sur les possibles en termes de projets d'évolution. Et le troisième volet qui est donc touché par ces changements,
c'est les dispositifs de formation en eux-mêmes qui doivent tenir compte des compétences transversales. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais donner maintenant la parole à Magdeleine Brison et puis à Madame Larmendi, dont les propos illustreront en partie ce que je viens de dire. Merci Joël. Donc, moi, je représente le réseau Différents et Compétents. Et mes propos, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire qui on est, comment on s'est engagé, qu'est-ce qui nous a amené à nous engager l'expérimentation, ce que nous avons fait, les bénéfices pour les utilisateurs et nos perspectives. Alors donc, qui nous sommes? Différents et Compétents Réseau, en fait, regroupe à peu près 870 établissements aujourd'hui qui portent ensemble, de façon, on va dire, communautaire, coopérative, le dispositif Différents et Compétents. Ce dispositif œuvre à reconnaître les compétences de personnes qui sont éloignées du diplôme, historiquement pour des personnes en situation de handicap, mais plus récemment, le dispositif s'est ouvert et en tout cas est utile ou est utilisé par des personnes qui sont en situation, par exemple sur des parcours d'insertion ou d'autres voies, voire en entreprise. Ce que nous faisions déjà, donc en reconnaissant les compétences, on s'appuie sur des référentiels, une trentaine de référentiels de droit commun, que sont sur des métiers de niveau type CAP, CAPA pour l'agriculture. On a quelques titres du ministère de l'Emploi. Et en fait, ce qui nous manquait, c'était d'avoir en fait un référentiel de compétences transversales qui viennent compléter les référentiels métiers que nous utilisons. C'est-à-dire que les personnes se voient reconnaître, on a à peu près aujourd'hui 21 000 lauréats de la RAE, donc de personnes qui ont été reconnues dans leurs compétences, sur un principe d'une évaluation progressive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdants, il n'y a pas d'échecs, il y a des personnes qui sont reconnues sur ce qu'elles savent réussir au quotidien dans leur atelier ou dans leur travail. Donc ce référentiel, on est allé chercher le référentiel RegTech avec l'idée de pouvoir compléter, mais aussi de pouvoir proposer aux personnes de rendre visibles leurs compétences transversales. Ce que nous nous sommes engagés donc, il y a quelques mois, nous avons commencé par nous former à une trentaine de personnes avec les valideurs, l'ensemble des acteurs, les accompagnants et puis des chefs de projet aussi pour pouvoir en effet être dans un rôle de facilitateur. Les bénéfices, dans ce que nous avons fait, excusez-moi, nous avons accompagné 10 candidats sur 5 territoires dans région Nord, Picardie, Normandie, Île-de-France, Bretagne, accompagnés aussi par les collègues du Pays de Loire. Donc une dizaine de candidats se sont lancés avec 3 options qui se sont trouvés comme ça, hein. On s'est saisi de ce qu'ils souhaitaient, soit en amont d'une reconnaissance acquise de l'expérience, c'est-à-dire par exemple, je vais citer une personne qui est présidente d'un comité de vie sociale dans son établissement et qui avait besoin de prendre confiance en elle. Et du coup, en fait, elle est allée faire reconnaître, on était en Île-de-France, elle est allée faire reconnaître des compétences transversales, c'est-à-dire à partir de la situation et de ce rôle de présidente de CVS, de vie sociale, elle a pu identifier ce qu'elle mettait en œuvre. Et il y avait évidemment beaucoup de compétences mises en œuvre dans cette situation. Des personnes qui voulaient en fait faire reconnaître en complément de leur parcours de reconnaissance sur un métier. Je vais prendre par exemple sur le métier de la restauration. On va prendre quelqu'un qui est agent de restauration et qui souhaitait mettre en relief les compétences, on va dire, de communication, de relations clients, etc., qu'il met en œuvre dans le cadre de son travail. Puis nous avions une troisième situation où des personnes qui ont déjà fait une reconnaissance, par exemple l'année dernière, on va prendre l'exemple du métier d'entretien, agent d'entretien des locaux, et qui dans le cadre de son projet,
professionnels souhaitent en effet faire apparaître et rendre visible auprès d'un employeur des compétences transversales qu'il a pu mettre en œuvre. Alors, Magdeleine, oui. Comme il vous reste à peine une minute, est-ce que vous pourriez, alors c'est très intéressant ce que vous nous avez exposé, on a bien compris les trois cas que oui. vous avez cités, est-ce que vous pourriez donc nous dire justement en quoi le regard des bénéficiaires de ces trois personnes en particulier a changé sur elles-mêmes ? Tout à fait, en effet, en termes de ce que les retours, c'est pour l'une, c'était je voulais évaluer mes compétences professionnelles et générales, c'était pour les raisons pour y aller. J'ai appris à être plus précis pour expliquer dans mon dossier. Je ne pensais pas savoir faire tout ça. Ça m'aide pour la RAE et sur mon métier. Et maintenant, je pourrais dire à mon futur patron ce que je sais faire. J'ai appris à être plus en confiance, à être plus à l'aise pour parler de moi. En termes de perspective, pour conclure, pour nous, il est évident qu'il faut continuer à travailler, à mailler en tout cas nos référentiels avec celui de RegTech. Il faut aussi qu'on continue en effet à proposer cette alternative ou en fait l'ensemble des deux, c'est-à-dire faire une reconnaissance sur des référentiels métiers et sur des compétences transversales. Voilà, donc il n'y a pas de retour pour nous. Alors le projet, ça sera en effet qu'on puisse former des personnes sur le référentiel RegTech parce que ça nous paraît important. On a commencé par se former et ça paraît important pour utiliser pleinement l'outil et toutes les possibilités qu'il nous offre. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Magdeleine. Donc, Anne, vous avez entendu, comme nous, donc, qu'il y avait donc, des changements de regard sur les bénéficiaires sur eux-mêmes, les professionnels sur les bénéficiaires. Est-ce que vous avez constaté, vous-même, dans votre structure, ces changements de regard ? Alors, oui, très rapidement, bonjour à tous. Anne Aramendi, responsable opérationnel Europe à l'INSUP, organisme de formation basé en Nouvelle-Aquitaine. Très rapidement aussi, depuis 20 ans, nous travaillons sur la coordination de projets européens autour de politique emploi, essentiellement formation, éducation, insertion et jeunesse, et avec une finalité qui est le développement d'outils innovants pour les stagiaires et les équipes et les professionnels de la formation. On a travaillé sur de nombreux projets concernant la valorisation des compétences transversales et tout naturellement, nous sommes arrivés nous sommes partenaires du projet FAMMAP, pardon. Et comme vous l'avez entendu précédemment, nous avons créé un maillon de parcours intra-qualifiant dans le cadre du dispositif habilitation de service public de la région Nouvelle-Aquitaine. Premier niveau pour le titre professionnel agent de propreté et hygiène. Alors, c'est une qualification très technique, évidemment, mais qui fait appel à de très nombreuses compétences transversales. On va le voir. Cette formation, prévoit 22 jours d'accompagnement, notamment sur le renforcement de compétences de base, nous a permis de voir chez les stagiaires des évolutions intéressantes. Alors, pour le groupe de 10 stagiaires que nous avions, il n'y a pas eu de rupture de parcours, pas d'abandon tardif en cours de formation comme on peut l'observer parfois, ça c'est très important. Et puis sur les niveaux, je dirais, très petit niveau de ce groupe de stagiaires, c'est-à-dire des scolarisations sans diplôme, pour certains arrêts même en primaire ou en secondaire, en parallèle aussi des stagiaires avec des difficultés à l'écrit, notamment pour les personnes venant de l'étranger. Et du fait aussi de l'absence de prérequis à l'entrée de cette action. Alors, pour les stagiaires, pas de confiance au démarrage dans l'entrée de cette action en leur capacité. Et puis, peu à peu, ils se rendent compte d'un socle de compétences. Donc, leur regard change rapidement, hein, Magdeleine l'a dit aussi, et ils prennent confiance en leur capacité. Alors, ils savent aussi, peu à peu, verbaliser leurs compétences. Et puis, en parallèle, comme les auto-évaluations sont guidées, ils ont une conscience aussi de leur progression. Ils arrivent très rapidement à voir leur progression. Et puis, ce qui est vraiment très important, c'est qu'ils ne perçoivent pas la remise à niveau de leurs compétences de base, puisque les activités, toutes les activités sont complètement contextualisées.
Et on peut prendre un exemple très rapidement hein, sur notamment les évaluations qui sont elles aussi contextualisées. Si on prend une activité, l'activité suivante, on va voir quelles compétences sont mobilisées. On va mettre le stagiaire en... On va lui demander de comprendre, par exemple, des consignes qui sont laissées à l'oral sur un répondeur et il va compléter un planning d'activité puis confirmer par mail la disponibilité à son responsable. Et là, on voit bien que les compétences qui sont mobilisées sont diverses. On a en effet la compétence communiquée à l'oral, celle à l'écrit, l'utilisation de ressources numériques et mathématiques, ainsi que l'organisation de son activité. Ça, c'est principalement pour les stagiaires. Pour les formateurs, on voit un vrai changement, et ça, ma collègue Alexandra Sanchis y reviendra, sur la posture du formateur. Les formateurs accompagnent la montée en compétences, ils vont soutenir l'explicitation des stagiaires et mettre vraiment en lumière le potentiel de compétences, je dirais, invisibles. L'animation des séances est totalement différente puisque les activités de renforcement des compétences sont complètement, exclusivement conduites par le biais de mise en situation professionnelle liée aux compétences métiers. Donc, c'est un parcours qui fait du sens et qui est cohérent. Voilà. Pour, je dirais, l'effet sur l'animation des séances et sur la posture des formateurs. Et puis, les activités qui sont contextualisées sont suivies d'auto-évaluation, qui sont guidées pour amener, en effet, à cette conscientisation des compétences transversales. Un autre effet aussi intéressant, c'est celui sur les tuteurs de stage de nos stagiaires, avec une réelle implication des tuteurs de stage en entreprise. Alors, au cours de toute cette ingénierie, on a créé, par exemple, un journal de bord qui est le fil rouge des stages, des différents stages. Il y en a deux au cours de cette formation qualifiante. Et là, on a vraiment un journal de bord qui favorise la compréhension des objectifs de stage par les tuteurs et le suivi en entreprise appuyé. Les activités qui sont réalisées en stage sont liées aux compétences transversales et permettent aux stagiaires de se positionner pour ces actions conduites pendant le stage sur une graduation à nouveau de carte de compétences. Voilà ce que le suivi qui est partagé par le formateur, le stagiaire et le tuteur est intéressant. Ce sont les principaux effets que nous on a observés sur les stagiaires, les formateurs et les tuteurs, mais on y reviendra sur l'intervention sur la professionnalisation. Oui. Voilà. Merci Anne, merci Magdeleine d'avoir bien illustré donc les propos de Joël. Donc on a parlé essentiellement donc des changements de regard et vous imaginez bien que ces changements de regard ne viennent pas tout seuls, qu'ils sont induits par de la formation de l'information et c'est justement ce que vont nous expliquer donc Marie-Noëlle Dufour et David Tardy dans la deuxième séquence. Donc je leur laisse tout de suite la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Marie-Noëlle Dufour, donc vice-présidente de Dozengo, c'est un organisme de formation qui est présent sur 4 régions, plutôt Centre-France, et on travaille effectivement sur les actions de l'insertion à la certification. Je laisse vous présenter David. Oui, donc David Tardy, conseiller en formation continue au JPFTLV, réseau des Greta de l'Académie de Nancy-Metz. Et donc, du coup, comme ça a été évoqué tout à l'heure, je suis intervenu au niveau de FAMAP. On a construit des choses à la base sur le Greta Lawrence Centre, qui est le Greta du Grand Nancy. Et donc, je suis en charge des langues et des formations générales, qui intègrent bien évidemment les compétences de base et donc tout ce qui est autour de RegTech et de FAMAP. Très bien. Comme vous avez entendu, le projet FAMAP a donné des résultats.
Et pour qu'on consolide ces résultats et que ces résultats perdurent, il faut mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs qui concourent à la reconnaissance des différentes graduations des compétences transverses, que ce soit le personnel des organismes de formation, de la direction aux ingénieurs de formation, aux formateurs, mais aussi aux prescripteurs, mais aussi aux financeurs, et aussi aux acteurs de l'insertion. Et comme nous l'a expliqué tout à l'heure Anne, les entreprises, c'est quelque chose d'important. David ? Oui, bah écoute, je ne peux que te rejoindre sur la formation information, hein, comme on le note souvent, un petit 1 entre parenthèses devant formation. Il est essentiel de prendre en compte tous les acteurs. Et les acteurs, il y a certes les formateurs, les concepteurs, et ça, mes collègues en troisième partie seront plus experts que moi pour en parler, mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'information et la formation, aussi des prescripteurs, des potentiels financeurs, de toutes les personnes qui peuvent donner du sens et donner des impulsions au niveau de nos dispositifs. À titre indicatif, hein, moi, d'expérience, j'ai fait la promotion, on va dire, de la démarche de manière assez intense sur mon territoire Grand Est. Et j'ai repéré 22 types, hein, j'ai fait le compte tout à l'heure, 22 types d'informations des acteurs. Et parmi celles-là, bien évidemment, il y a la formation des concepteurs, des formateurs, etc., mais il y a aussi la formation des autres acteurs. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi l'information en préalable des principaux concernés, c'est-à-dire les bénéficiaires. Alors, non, je crois qu'il faut aussi qu'on partage l'approche, le vocabulaire, les critères, les indicateurs pour que ça soit… qu'on puisse parler le même langage. Donc là, au Zengo, lors des différentes étapes d'un parcours, PAPMAP nous a permis de sensibiliser un certain nombre d'acteurs dans une de nos actions, dans le cadre de notre expérimentation, et aujourd'hui un petit peu on va au-delà. Dans une de nos actions, lors de la phase de recrutement, les bénéficiaires des actions présentent des prérequis avec comme support la carte RegTech, afin de se comprendre avec les prescripteurs. L'équipe d'Ozengo a créé un guide d'explicitation portant sur les compétences et les niveaux visés à destination des prescripteurs. Voilà. Durant la formation, je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on travaille en groupement. Et quand on travaille en groupement et qu'on aimerait utiliser la démarche et les outils produits par FAPMAP, eh bien, il faut former, informer, former, sensibiliser, suivre nos co-traitants et nos sous-traitants. Et voilà, et donc ça, nous l'avons fait grâce à Mariella et à Joël qui nous ont accompagnés sur cette mise en place et cette formation. Maintenant que FAPMAP va s'arrêter, il va falloir trouver d'autres moyens. Voilà. Et à la sortie de la formation, évidemment, les bénéficiaires doivent pouvoir attester. Comme le disait très bien Anne et Magdalène, ils doivent pouvoir attester des compétences acquises, reconnues, voilà, exprimées et reconnues. Et donc, effectivement, on a travaillé, nous, au Zengo, sur la journée 4, une journée de formation dans le cadre de la formation civique. Et effectivement, ils doivent repartir avec un document, un livret, qui permettent de formaliser, de s'approprier ces compétences transverses et pouvoir un peu les revendiquer. Donc, on est en train de travailler sur un livret qui permette aux acteurs qui vont les accueillir après de travailler ou de pouvoir s'expliquer sur ces compétences transverses. Oui, alors je te rejoins complètement. On en a parlé pas mal en préparant cette table ronde, mais également tout au long de, bah, de,
de l'aventure FAMAP. Clairement, il y a des points assez importants, c'est-à-dire que là, tu évoques dans le cadre d'un maillon, en tout cas d'un dispositif particulier, de la formation information dans le cadre de l'existant. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en préalable, c'est-à-dire de trouver des moyens de communiquer sur RepTech, sur les maillons de parcours. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que ce type d'approche permet de développer avant tout un langage commun, c'est-à-dire qu'on parle la même langue. Moi, il y a quelque chose qui m'a semblé aussi intéressant par rapport à ça, et via cette formalisation RecTech, c'est que à la fois des personnes qui, techniquement, par exemple des formateurs sur du diplôme ou des formateurs sur des compétences de base, hein, moi c'était le cas sur mon territoire, se sont mis à communiquer entre eux et en trouvant des langages communs, et également tous les acteurs deviennent quelque part des partenaires. C'est-à-dire que sur le projet FAMAP via RecTech, on s'est mis à parler même avec des financeurs sur un langage commun, à condition bien évidemment de l'expliciter en amont. Après, moi j'ai une petite vigilance par rapport aussi à cette formation des acteurs, c'est l'idée que quelque part nous devons être... nous, en tout cas toutes les personnes impliquées dans ce dispositif, les gardiens du temple, c'est-à-dire se méfier, hein, on en a souvent parlé avec Mariella, de ce risque de dévoiement de RecTech, c'est-à-dire d'en faire un gadget, d'en faire quelque chose, et donc du coup, il y a nécessité effectivement de travailler par étapes, d'utiliser un langage commun. Mariella parle souvent de RecTech ou de FAMAP, alors de FAMAP comme une mise en musique, hein, de RecTech, et l'idée de donner le là. Et je crois que c'est extrêmement important. J'aime assez les métaphores filées, et je crois que dans ce type de dispositif, il y a RecTech qui est quelque part le solfège, hein, et derrière, on a des musiciens, on a des chefs d'orchestre, on a des auditeurs, et au sens de auditeurs, à la fois pour écouter de la musique et aussi pour suivre des cours. Et on a pourquoi pas, hein, mais on peut avoir des mécènes aussi dans le cadre de la création de nos petites symphonies. Voilà. Bien. Marie-Noëlle, quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire David ? Non. Non, on se rejoint bien. Bien. On se rejoint bien. Je vous remercie donc pour cette mise au point sur la formation des différents partenaires de la FAMAP. Peut-être cette formation information nous conduit tout naturellement en fait à la troisième séquence, c'est-à-dire vers la professionnalisation. Et cette troisième séquence sera conduite par Estelle Guillotin, Alexandra Sanchez et Jacques Bretodeau, à qui je vais donner la parole maintenant. Donc, je crois que c'est Estelle qui commence. Oui, bonjour à toutes, à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager tout ce qu'on a pu vivre là tous ensemble. Donc nous, on va en effet parler de ce volet professionnalisation. Donc moi, je suis Estelle Caillot-Guillotin, je suis conseillère en formation continue au CAFOC de l'Académie de Versailles et je suis chef de projet sur le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, ce qu'on appelle les CRI hein, aussi au niveau national, donc le Centre de ressources au niveau de l'Île-de-France. J'ai intégré donc avec le Centre de ressources, le CDRIML, le projet ISI fin 2019 comme référente professionnalisation. Et ça a eu beaucoup de sens parce que le Centre de ressources donc en Île-de-France fait le lien entre les dispositifs de compétences de base et qualifiants en mettant en place des ingénieries partenariales pour créer de la continuité entre les dispositifs. Et le mot continuité là m'a parlé quand j'ai pu lire ce projet FAMAP, en sachant qu'en Île-de-France, il y avait déjà une carte de compétences région qui était déjà bien ancrée. Voilà. Alors, peut-être laisser Alexandra se présenter et puis ensuite on déroulera notre… Voilà. Bonjour Alexandra.
Bonjour à tous, merci Estelle. Moi je suis donc Alexandra Sanchi, je suis responsable service support métier à l'INSUP, Institut de formation supérieure. Notre organisme est implanté en Nouvelle-Aquitaine et en Vendée. Alors moi j'ai eu l'opportunité d'intégrer pendant 2 années un groupe de travail dédié aux compétences transversales mis en place par l'AEFA, l'Agenda pour l'éducation et la formation des adultes. Nous avons aussi à l'INSUP travaillé depuis de longues années sur cette thématique de compétences transversales, depuis les années 2000, et nous avons expérimenté le référentiel AEFA des 12 compétences transversales, puis le référentiel RECTEC. Notre direction a vu naturellement dans le projet FabMap l'opportunité d'aller plus loin dans la professionnalisation de nos équipes. Par ailleurs, dans le cadre d'un projet 100% inclusion financé par l'État, j'ai été sollicitée par la Fédération des unions régionales des organismes de formation pour sensibiliser une quarantaine d'organismes de formation de différentes régions à la première étape, finalement, à la sensibilisation de la méthodologie de carte de compétences graduée au travers des outils RECTEC. Jacques ? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jacques Brotodeau, moi, je suis conseiller en formation donc, au CAFOC de Nantes, voilà, région des Pays de la Loire. J'ai, en fait, sur la problématique des compétences transversales, donc, moi, j'ai eu l'occasion de co-animer pour le compte du ministère du Travail le groupe de travail avec Mathieu Carrier et l'expertise de Mariella de Ferrari dans le cadre de l'agenda européen pour la formation des adultes. Et donc, le CAFOC de Nantes a été partenaire du projet RECTEC et est impliqué depuis le début sur le projet FabMap, sachant qu'on a été impliqué comme, on va dire, structure référente professionnalisation pour accompagner en fait, des organismes de formation de notre territoire sur cette question de la reconnaissance des compétences transversales et sur la question de comment je peux développer en formation ces compétences transversales. Donc, à l'origine, il y avait 5 partenaires organismes de formation qui étaient impliqués dans FAMAP. Et nous avons eu 2 formateurs consultants du CAFOC, donc je vais citer Stéphane Vince et Isabelle Danet, qui ont accompagné, qui étaient référents territoriaux et qui ont accompagné ces organismes dans la mise en place des maillons de parcours dans FAMAP. Et puis suite à des évolutions dans l'équipe, puisque Stéphane a rejoint en fait l'Académie de Toulouse, voilà. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner moi-même un des organismes qui était préalablement accompagné par Stéphane. Voilà rapidement en termes de présentation. Bien. Estelle, vous reprenez la parole pour nous parler de la professionnalisation des acteurs. Oui, tout à fait, Catherine. Alors, en fait, depuis le début de cette table ronde, on a pu voir les conséquences hein, sur les bénéficiaires, sur les apprenants de cette approche, de cette méthodologie. Et donc, nous, on remonte à la professionnalisation parce que ça nous semble bien sûr primordial, important, vous allez le voir. Et il a été fait le choix de professionnaliser, bien sûr, en premier lieu, tous ceux qui ont conçu et qui ont mis en œuvre sur les terrains expérimentaux de ce projet FabMap. Donc, il y a eu des formateurs qui ont été formés, mais aussi des coordinateurs, parfois des ingénieurs de formation, des responsables de formation, des référents. Souvent, les titres peuvent varier selon les territoires. Et puis, dans un second temps, les formateurs de formateurs sur plusieurs territoires ont été aussi formés pour justement le déploiement de cette approche. Les formations, en fait, elles ont eu une modalité, enfin plusieurs modalités. Il y a eu ce qu'on a appelé un tronc commun hein, sur 4 jours. Et puis, il y a eu des classes virtuelles en fonction des adaptations et des besoins et des accompagnements sur le territoire. C'est ce dont vous avez déjà bien entendu parler. Alors, nous avons formé toutes les personnes hein, qui ont été mobilisées pour ces formations. Tout d'abord, bien sûr, aux spécificités et aux usages de RECTEC et à sa plus-value applicable justement sur des maillons de parcours. Et ensuite, parallèlement, bien sûr, à des ingénieries d'évaluation et des ingénieries de formation qui intègrent l'auto-évaluation, l'entretien d'explicitation et qui sont toujours centrées autour de situations professionnelles.
Et puis, dans un prolongement, mais toujours dans le cadre de la professionnalisation, on a pu travailler avec certains territoires sur des transferts et des emboîtements de référentiels. Hein. On parlait là au départ, vous avez eu aussi des témoignages sur des croisements avec des référentiels métiers. Et tout ça dans le cadre aussi d'un accompagnement, j'ai envie de dire, très présent. Voilà. Et tout ça, en fait, toute cette formation, elle a été, je vais utiliser un mot, mais elle a été vraiment lourde et elle est pesante et elle est importante. Mais ce n'est pas simple. Mais quand ça a pris, et ça a pris heureusement à plein d'endroits, on a assisté à une montée en compétences et à des identités professionnelles qui se sont déplacées. Et qui ont été bien sûr, enfin qui ont été appréciés des équipes. Hein. Et Alexandra, qui est sur le terrain au niveau de l'INSUP, hein, tu l'as vu ça? Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, au niveau de l'INSUP, comme l'a souligné tout à l'heure Anne, nous avons créé un maillon intra-qualifiant à l'intérieur d'un titre professionnel agent de propreté. Alors, sur ce dispositif, évoluaient, intervenaient des formateurs techniques, mais aussi des formateurs sur les savoirs de base. Alors, ce qui a été très intéressant pour nous, c'est que pour concevoir le maillon, c'est un binôme constitué d'un formateur technique et d'un formateur sur les savoirs de base, sous la houlette et l'expertise de notre coordinatrice pédagogique, qui ont croiser les disciplines et qui ont élaboré un maillon, c'est-à-dire à l'intérieur des mises en situation contextualisées et qui ainsi ont imbriqué les compétences transversales et les compétences techniques et ont revisité la formation. Donc vous comprendrez bien que la montée en compétences, elle est significative à plusieurs titres parce que c'est ce binôme de formateurs et montée en compétences en ingénierie de formation, mais aussi monter en compétences en ingénierie d'évaluation sur carte de compétences graduées. Il y a eu également une progression significative dans l'utilisation de l'entretien d'explicitation pour objectiver les compétences transversales. Donc, oui, vous l'aurez compris, hein, je pense que cette démarche, elle entraîne un changement de posture de la part des concepteurs dans les dispositifs de formation et des formateurs pour animer les séances. En fait, les concepteurs privilégient l'entrée par les situations et non plus une entrée disciplinaire. Et puis, les formateurs deviennent en fait plus accompagnateurs dans un processus d'apprentissage et de valorisation des compétences de leurs apprenants qu'un transmetteur de savoir. Et c'est là les changements de posture, du moins les deux changements de posture un peu significatifs, d'un côté vis-à-vis de la production ou de l'ingénierie de formation ou de l'ingénierie d'évaluation, et de l'autre côté de l'animation des séquences de la part des formateurs. Si je peux rebondir, effectivement, dans la remise à niveau, on est plutôt sur une posture traditionnelle où le formateur est le sachant et le stagiaire est l'apprenant. Avec FabMap, on a assisté à un double changement de posture du formateur et du stagiaire. Le formateur, il apparaît comme un facilitateur finalement. Il va encourager et faciliter la réflexion du stagiaire sur les compétences transversales qu'il a développées en situation, en prenant appui sur la carte de compétences graduées. Donc, le formateur est dans une posture bienveillante, d'écoute. Il aide au questionnement. En fait, il tire la ficelle, en fait. Il aide au questionnement, à la reformulation. Et puis, il va aider aussi à la recherche d'exemples pour objectiver ces fameuses compétences transversales et accompagner le stagiaire à l'identification aussi des paliers qu'il devra atteindre pour optimiser sa réussite dans l'obtention du titre professionnel d'agent de propreté. Le stagiaire, il est donc au cœur du processus, c'est le véritable sachant. C'est lui qui, finalement, aidé du formateur, sait profondément les compétences qu'il a développées, qu'il a mobilisées en situation. Cette posture, moi, je trouve qu'elle est assez proche des formateurs-tuteurs dans le cadre d'une action de formation en situation de travail, puisque les tuteurs de la FEST
encadre des séquences réflexives. C'est un peu la même démarche qu'il y a eu dans FabMap. Oui, je voulais insister. Hein, cette démarche, elle permet des résultats très intéressants. On vient de le voir, hein, on en a des déclinaisons à plein de niveaux. Mais il est important quand même d'y mettre des garde-fous. Cette approche, RecTech et la construction de maillons de parcours, ce ne sont pas des outils prêts à l'emploi. Les cartes de compétences ne suffisent pas. Il faut travailler sur les ingénieries existantes pour les transformer. Il faut travailler sur les croisements de référentiels, comme l'INSUP a pu le faire, en croisant RecTech et le référentiel métier de l'agent de propreté. Et tout ça prend beaucoup de temps. Au tout début, M. Puigdemont a parlé de changement et de frein au changement. Et là, un des changements, c'est de penser que je suis formateur et je n'aurai pas un outil tout prêt. C'est un outil qu'il faut que je construise, j'ai un outil, on a une carte de compétences ou des référentiels, mais il y a quelque chose à construire et il y a vraiment une méthodologie à s'approprier. C'est pas anodin, c'est un changement profond et il faut entraîner les formateurs et pas seulement les formateurs, comme a pu le dire tout à l'heure l'équipe autour de Monsieur Tardy. Voilà. Donc ça c'est sur le point sur lequel je voulais vraiment insister. Ce n'est pas un outil prêt à l'emploi. Il y a un vrai travail d'ingénierie à faire et la formation est indispensable. Et du coup, si je peux me permettre, on voit que ce travail, il ne peut pas aboutir sans l'engagement, je serais tenté de dire total, des directions, des structures concernées. Le changement de posture qu'on évoque depuis maintenant presque une heure, le changement de posture que l'on évoque, il doit être accompagné. On parle de professionnalisation, mais il doit être soutenu parce que, en fait, il peut conduire et il conduit, en fait, de fait, c'est pas il peut conduire, c'est il conduit à des changements en termes d'organisation, en termes de management des formations. Donc, du coup, il y a des changements aussi dans les organisations qui se produisent. Et si ces changements dans les organisations ne sont pas portés par les équipes de direction, eh bien, on va rester sur des projets qui vont être soutenus par des convaincus ou par des formateurs qui ont envie de changer leur pratique, mais en fait, ce sera que le résultat de quelques convaincus et ce ne sera pas porté par les équipes de direction. Et on constate, nous, je disais dans la présentation qu'il y avait cinq organismes de formation qui étaient impliqués à l'origine dans le projet FADMAP sur le territoire nantais. En fait, il y a deux projets qui sont allés au bout, un qui est allé au bout, un qui est bien engagé et qui ira au bout, c'est sûr. Mais en fait, il y a trois autres projets qui sont restés un petit peu en plan. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les projets qui sont restés un petit peu en plan, pardonnez-moi l'expression, on s'aperçoit qu'il y a une constante sur les projets, c'est un relatif manque de soutien, en tout cas, de la part des directions. Et on voit que si le projet n'est pas porté par les directions, c'est-à-dire qu'il doit être intégré dans un projet stratégique de structure, eh bien, on a du mal à ce que le projet il avance. Donc, on a beau vouloir professionnaliser les formateurs pour qu'ils changent de posture, si on ne leur donne pas les moyens de changer de posture, au bout d'un moment, ils ne mettront pas en œuvre. C'est évident parce que ça entraîne des changements d'organisation. Donc, du coup, il me semble aussi, alors je suis désolé pour les directeurs d'organismes de formation, mais il me semble, du moins je ne suis pas désolé, c'est un constat, il me semble aussi que les équipes de direction, ils doivent être accompagnés dans la mise en place de tels projets. Et de mon point de vue, il y a trois niveaux d'accompagnement qui peuvent être faits. C'est un accompagnement à la réflexion stratégique par rapport à l'innovation pédagogique. C'est quelle place on donne à l'innovation pédagogique dans la stratégie de l'organisme de formation. C'est un accompagnement sur les conséquences des changements et de gestion de l'organisation de formation qu'entraînent de telles innovations pédagogiques. Et puis, c'est un accompagnement un accompagnement des équipes de direction dans l'accompagnement des équipes de concepteurs ou de producteurs qui sont les formateurs. Et
Alors, en fait, je vais pas faire mon monsieur alors, tardi, mais je vais prendre une autre expression. En fait, on constate aujourd'hui qu'il y a des évolutions et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a recomposé le marché de la formation. La crise sanitaire a invité les organismes de formation à repenser les modalités de formation. L'entrée par les situations facilitant la reconnaissance des compétences invite aussi à repenser les modalités d'évaluation et de formation. Il y a un point commun à toutes ces évolutions, il me semble, c'est si on veut un avant et si on ne veut un après, il faut définir sa politique, se donner les moyens de sa stratégie et accompagner les changements induits. Séminaire. Voilà. Merci. Facile, facile. Alors, merci pour cet éclairage sur bien les réussites de la professionnalisation. On en a vu quand même un certain nombre. Merci aussi d'être honnête en fait sur les difficultés de cette mise en œuvre. Donc, je ne sais pas si Estelle ou donc Alessandra ont quelque chose à ajouter sur ce que vient de dire Jacques. Je pense Catherine que David Tardy avait levé la main. Je pense qu'il voulait. Effectivement, oui, je le vois maintenant. Mais on va repasser la parole à David Tardy puisqu'on a quelques minutes encore. Oui. En tout cas, merci à tous, merci à Jacques, merci à Alexandra pour cet échange. Oui, Jacques, alors je vais essayer de ne pas revenir avec une métaphore, mais je risque de ne pas pouvoir m'en empêcher. Techniquement, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a un élément que je pense qu'il est nécessaire de rajouter, c'est qu'on voit bien que sur ce type d'articulation, faire du lien, je crois qu'à l'heure actuelle, les institutionnels, les prescripteurs, pédagogiquement sont prêts, parce qu'ils veulent créer du lien. De plus en plus, je le vois sur ma région Grand Est, le lien entre les financeurs, entre les prescripteurs, mais également l'incitation à faire des partenariats entre organismes de formation. On était d'ailleurs partenaire hein, avec nos collègues de la LAGIS sur FAMMAP. Donc, du coup, il y a des pistes qui sont données et je crois qu'on peut le renforcer. Alors, effectivement, ça nécessite des moyens. C'est-à-dire que si on doit informer, former, je reviens sur mon leitmotiv, des collègues ou des partenaires avec lesquels on travaille au quotidien, c'est tout à fait envisageable. Si on doit informer, former tous les partenaires potentiels d'une région, par exemple, là, ça nécessite aussi des moyens. Donc, du coup, il y a un problème d'échelle et aussi de timing. C'est-à-dire que, évidemment, tout ce qu'on évoque, hein, ça a été mis en avant plusieurs fois, ça s'envisage sur le moyen et le long terme. Et ça, je crois qu'il y a les moyens en termes de temps nécessaire, de temps de mobilisation, de moyens humains, mais il y a aussi une nécessité de mettre en place des choses au niveau des moyens, on va dire, chronologiques. Voilà, c'était mon petit ajout. Oui, je suis d'accord avec toi, David. Ce que j'essayais de pointer, c'est qu'à l'intérieur d'un organisme de formation, si le projet et si la structure ne se donnent pas les moyens au service du projet, le projet, il aboutira pas. En lien avec ce que tu viens de dire, David. Voilà. Et tout ce qu'on évoque ici, évidemment, à partir du moment où on est ici présent ce jour, c'est que quelque part, les directions de nos organismes et de nos structures ont agréé le projet. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qu'il faudra emmener dans notre sillage un jour et leur direction également. Bien, mais merci à vous tous. Donc, je crois qu'on, sauf si d'autres intervenants veulent préciser, revenir sur ce qui vient d'être dit,
bon, qui lèvent la main à ce moment-là, je leur donnerai la parole. Mais on arrive à la fin des trois séquences, mais c'est loin d'être terminé, puisque maintenant, je vais passer la parole à Stéphane Vince, modérateur, qui a recueilli normalement vos questions sur le chat et qui va nous en faire part de façon à ce que vous puissiez, vous, intervenant, y répondre. Donc Stéphane, je vous donne la parole. Stéphane. Bonjour, merci. Donc merci pour les interventions et donc la richesse des différents dans le chat. Hein, on est. Vous m'entendez pas? Si, on vous entend. D'accord, excusez-moi. Donc, je disais merci aux interactions. On est plus de 130 personnes sur la conférence, sur l'ouverture. On avait deux, trois petites questions, donc je vais vous proposer. Une première, c'était peut-être de repréciser par rapport à la première intervention. Qu'est-ce qu'une évaluation contextualisée? Donc peut-être à travers un autre exemple. Donc il y avait cette première question. On avait une deuxième question, remarque de collègues qui demandaient comment on pouvait avoir des exemples concrets des expérimentations des partenaires. Donc ils ont bien vu qu'il y avait les vidéos, etc. J'ai vu des échanges ou des mails en tout cas sur le fait d'avoir un petit peu plus, par exemple les diaporamas qui avaient été utilisés par les intervenants sur les vidéos, dans les séminaires, etc. En tout cas, voilà, il y avait des demandes d'avoir un peu plus de présentation, voire d'outils des partenaires. Donc, je vais laisser les collègues y répondre. Et puis, il y avait une troisième question, remarque, en tout cas, c'était sur l'articulation autour de la qualité, autour du handicap et cette approche par les compétences qui est utilisée à travers le projet Rectech, puis le projet FAPMAP, peut être quelque chose d'important. Et puis un des participants précisait qu'il y avait à avoir le 19 novembre un webinaire européen CEF 2021 sur emploi, handicap et mobilité internationale. Son idée était de faire du lien avec ensemble de ces thématiques, c'est-à-dire qu'on peut accompagner aussi pour des publics en situation de handicap à travers les outils de la CARPU. Bien, mais merci Stéphane. Donc, on a bien enregistré vos questions. On va peut-être rebondir sur la dernière qui est celle du handicap, justement. Magdeleine pourrait y répondre dans un premier temps et puis les autres compléter éventuellement. Magdeleine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, avec plaisir. Oui. En effet, historiquement, différents compétents, en effet, accompagnent des personnes en situation de handicap. Et il est vrai que tout l'intérêt de Rectech, c'est que, on va dire que si on fait l'analogie avec une raquette de tennis ou une raquette ou une passoire, en tout cas, les mailles de la passoire ou de la raquette sont beaucoup plus serrées, si bien que du coup, on peut identifier plus de compétences. Le fait qu'il y ait une graduation, les référentiels qu'utilisent habituellement différentes compétences sur les métiers sont déclinés. Alors, on pourrait faire une analogie aussi. Ça correspond à peu près, pour Rectech, il y a pour des personnes d'un niveau CAP, on est plutôt sur 4 graduations et différents compétents étaient sur 3. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Mais ça permet en effet d'aller piocher, d'aller identifier des petites compétences qui sont souvent petites, je veux dire, un peu plus cachées que d'autres. Elles sont tout aussi intéressantes, évidemment, que d'autres compétences. Mais ça permet de laisser personne au bord du chemin. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est en effet, il est pour l'avoir utilisé dans les 10 situations que j'évoquais tout à l'heure, c'est complètement pertinent. Il y a un travail, en effet, quelquefois, de retranscription, d'illustration avec les personnes, mais elles trouvent ça plutôt facile à utiliser parce qu'elles se voient en situation, ça parle.
Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que j'ai retrouvé à peu près tout ce qui a été dit par les collègues. On s'y retrouve complètement, hein, y compris la professionnalisation, etc. Mais aussi pour les personnes, hein, ça leur parle très vite parce qu'on parle de leur situation de travail ou d'une activité. Bien, merci. Est-ce que d'autres veulent ajouter quelque chose sur cette question? Il y a Mariella, je crois, qui souhaite prendre la parole. Oui, alors Mariella. Mariella. On ne t'entend pas, Mariella. Le micro, peut-être, Mariella. Mariella. On n'entend plus. Bon, écoutez, elle reviendra probablement donc à un moment ou à un autre. Il y avait une autre question aussi sur l'évaluation contextualisée. Qui voudrait y répondre parmi vous? Je vais essayer d'y répondre ou en tout cas d'apporter des éléments de réponse. La compétence, elle se met en œuvre que dans des situations. Donc, il faut que cette compétence, elle soit mise en œuvre dans des situations réelles ou simulées. Alors, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que, idéalement, c'est des évaluations en situation réelle. Alors, en sachant qu'il y a, c'est des évaluations en situation réelle, articulée avec une explicitation auprès des personnes dont on veut valoriser les compétences. Donc, idéalement, c'est par rapport à des situations réelles qu'il faut pouvoir le faire, et donc qu'il y ait une observation de cette situation réelle et un échange ensuite par rapport à cette situation réelle. Dans certains cas, on ne peut pas mettre en œuvre ces situations réelles pour plein de raisons diverses et variées. Et donc, du coup, évaluation contextualisée, c'est-à-dire mettre les personnes dans des situations qui sont vraisemblables et très proches du réel, sans être les situations réelles. C'est ce qu'on appelle des situations contextualisées, mais je dirais, c'est de la contextualisation de haut niveau. Je vais être un peu caricatural, mais c'est pas faire des exercices où on compte, des stocks de marchandises pour contextualiser. C'est vraiment être dans une situation où je dois faire un état des stocks et je me rapproche le plus possible de la situation réelle avec tous les aléas qu'on peut rencontrer dans une situation réelle. C'est ce que je mets derrière le terme situation contextualisée. Mes collègues peuvent compléter ou aller contre ce que je dis, mais en tout cas, c'est ma vision des choses en termes de situation d'évaluation contextualisée. Oui, Catherine, peut-être si je suis peut-être passée assez vite, mais on peut reprendre quelque chose de concret pour répondre à Jacques qui dit ça peut être fictif. Nous, en tout cas, les activités contextualisées, elles ont été, on l'a dit, hein, tout au long du parcours qualifiant. J'ai pris tout à l'heure une activité évaluative qui est on va demander à un stagiaire de prendre en compte, d'écouter un message, de prendre en compte des consignes qui sont laissées sur un répondeur, et à partir de cette écoute, de compléter un planning d'activité et ensuite de confirmer par mail sa disponibilité à son responsable. Là, on est bien dans un cadre vraiment métier où il va falloir en effet appliquer ce type de consigne et comprendre en effet le message qui est laissé. Et on voit bien là que dans cette mise en situation professionnelle, on va demander au stagiaire, en tout cas le stagiaire va vite comprendre qu'il y a plusieurs compétences qui vont être mobilisées. On n'est plus dans en effet le renforcement de compétences type écrit en remplissant des exercices de grammaire ou comme tu l'as dit Jacques, ou de répondre correctement en utilisant le bon mot, etc. Mais là, on va amener le stagiaire, en effet, à
développer ses compétences à l'oral, parce qu'il va falloir en effet qu'il puisse comprendre ce message qui est laissé sur le répondeur à l'oral. Il va mobiliser ses compétences écrites parce qu'il va devoir en effet envoyer un mail à son responsable pour lui signifier sa disponibilité. Les compétences numériques de fait, puisqu'il va utiliser en effet son ordinateur ou peut-être son téléphone pour pouvoir passer le message. Et on est bien aussi dans le développement de la compétence de l'organisation de l'activité. Je reçois un message, je réponds et j'organise mon planning. Voilà. Typiquement, le type d'évaluation, d'activité évaluative qui a pu être développée, en tout cas créée, et ça, c'en est une. On pourrait donner aussi l'organisation du chariot de nettoyage, où là, différentes compétences transversales vont être mobilisées pour organiser son chariot de nettoyage, pour pouvoir respecter les protocoles qui sont demandé par le titre professionnel. Je pourrais compléter, Catherine. Est-ce que vous m'entendez? Non, on n'entend plus. Oui, on entend. Ok. Alors, je voulais rebondir sur plusieurs points, justement à partir du cas de l'INSUP, parce que nous avons transformé toutes leurs évaluations en contextualisation. Parce que les tests de présélection sont souvent décontextualisés. Pourquoi ? Parce que quand on va sur les prérequis des titres de niveau 3, quel est le prérequis ? Savoir lire, écrire, compter. Et quand on dit savoir lire, écrire, compter, je peux prendre des exercices dissociés de lire, d'écrire et de compter qui n'ont absolument rien à voir avec une activité professionnelle et encore moins de lien entre le lire, l'écrire et le compter. Donc, ce que vient d'être présenté par Anne montre que non seulement la contextualisation est liée à des activités liées à la famille de métier, mais également les situations mobilisent plusieurs compétences à la fois qui ne sont pas forcément mobilisées au même degré de maîtrise de compétences, à savoir les paliers de cartes de compétences. Ça, c'est une première problématique. Sur la démarche évaluative, elle va mallier l'auto-évaluation guidée évoquée par Jacques, à partir de l'explicitation et de ce que les personnes ont fait dans d'autres situations de stage, etc., plus celles qui vont être proposées en formation ou en qualification. Donc, ce sont des démarches complexes qui maillent plusieurs façons d'observer et d'évaluer la contextualisation pour en faire une synthèse qui va positionner sur un palier ou entre deux paliers de compétences graduées. Ça, c'est un premier élément. Donc, vous voyez bien que le système est interrogé, à commencer par la manière de poser les prérequis d'accès au titre ou au diplôme de niveau 3. Stéphane m'a communiqué aussi une question de précision pour David, si j'ai bien compris. Comment nous, on peut transformer aussi la manière d'informer et de travailler avec les acteurs? Tu en as beaucoup parlé, David, je vais te donner la parole pour que tu expliques comment tu le fais ou tu l'as fait. Mais le projet FabMap avait prévu toute une démarche où Joël Pochelu et moi-même devions nous déplacer une fois tous les deux mois sur chaque territoire pour commencer à travailler avec les financeurs et les prescripteurs de formation de tous ceux que les organismes étaient en train de transformer. Nous n'avons pas pu le faire. J'ai pu le faire seulement avec Clermont-Ferrand, Ozango, Cap Emploi, Mission Locale, du territoire où était en train d'être élaboré le maillon pré-qualification de petite enfance. Et comment on fait ? Bien, on commence à expliciter ce qui va être expérimenté et on embarque les prescripteurs du territoire pour qu'ils prépositionnent sur certaines compétences et que la personne ne débarque pas sur des tests. L'organisme de formation va enclencher la discussion avec les candidats à partir d'une information collective co-élaborée avec les organismes qui vont recevoir. Si c'est le Pôle emploi, eh bien, l'organisme de formation va préparer avec le Pôle emploi quels sont les critères de sélection de la formation collective pour que le Pôle emploi envoie les bonnes personnes et pas qu'il y ait du travail inutile côté conseiller, côté bénéficiaire. Donc, il y a aussi David Tardy qui a beaucoup travaillé cette question. Je te donne la parole, David, pour voir comment tu as travaillé cette question de l'information et la sensibilisation des partenaires. David est sur l'autre lien Teams. Voilà, il n'est plus là. Oui. Eh bien, donc cette question, on va répondre à cette question sur le chat par la suite. Merci. Je te laisse la parole, Catherine.
n'entend pas Catherine. On n'entend plus Catherine. Jean-Louis ou Stéphane? Pardon, c'est moi qui avais coupé mon micro pour ne pas interférer avec vous autres. Donc, je disais qu'on avait répondu déjà donc, sur la question de l'évaluation contextualisée, sur l'articulation par rapport au handicap. Peut-être une dernière question, parce que justement, donc, David Tardy est parti sur une autre intervention. Donc, par rapport, il y avait aussi l'articulation avec la qualité, je crois. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre en charge cette question? Par rapport à référentiel des compétences que nous avons, c'est quelque chose qui n'est pas visible ni public encore. Nous avons co-élaboré avec les experts un référentiel de compétences pour les professionnels qui se sont formés tout au long de ce cycle de professionnalisation. Parce que chaque professionnel a suivi en tout et pour tout entre 4 et 10 jours de formation. Il y a eu un tronc commun de 4 jours, 3 jours de classe virtuelle à distance à partir de ce qu'ils produisaient. Donc, on accompagnait à la formalisation de leur production et des accompagnements personnalisés par organisme et par site. Donc, nous allons délivrer des attestations de compétences objectivées à ces professionnels, bien au-delà d'une attestation de présence. Première chose. Et pour délivrer cette attestation de compétences, on a élaboré un référentiel de compétences pour les formateurs. Donc, c'est l'une des perspectives de suite. Va-t-il y avoir ou pas un dépôt au répertoire spécifique de ce référentiel de compétences pour donner de la valeur et de la reconnaissance aux compétences de professionnels qui se forment tout au long de ces dispositifs. Et donc la qualité va passer par là, par une reconnaissance ou une habilitation. Il y aurait d'une part ceux qui évaluent et accompagnent pour orienter, et d'une autre part ceux qui vont jusqu'à l'élaboration d'ingénierie de formation avec la démarche graduée. Bien, merci. Oui, je pense que oui. Merci Mariella. Donc, je reprends la parole et là, on est obligé d'avancer. Je vous adresse un grand merci vraiment à tous, à tous les participants de cette première table ronde opérationnelle qui, pour le coup, a vraiment été très opérationnelle grâce d'une part donc, aux intervenants, que je remercie vraiment beaucoup, et grâce d'autre part donc, au public, à vous tous, qui avaient posé des questions, qui avaient réagi, qui ont permis donc une interaction. Nous n'avons probablement pas répondu à toutes vos questions. Je suppose que certaines d'entre elles vont trouver réponse auprès des intervenants qui vont maintenant nous succéder. Donc, tout d'abord, vous allez entendre tout de suite après nous Madame Sofia Doskarova, qui représente la Direction générale pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion au sein de la Commission européenne, et qui va s'entretenir une dizaine de minutes avec Jacques Tardy, que vous connaissez déjà. Et cet entretien sera suivi donc, d'une courte pause, et nous reprendrons nos activités avec la deuxième table ronde dite institutionnelle, animée par Vincent Joseph à 11h15 précisément. Donc, le séminaire continue maintenant et je passe la parole, comme annoncé, à Sofia Doskarova et à Jacques Tardy. Au revoir. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Ça vous rassure. Merci à tous. Vous êtes respectés.